Eh bien, salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, mais aussi une nouvelle série, donc les configs PC de la semaine. Je vais toujours prendre un budget, un budget précis sur lequel je vais me concentrer pour vous faire le PC déjà monté, mais aussi le PC à monter vous-même. Comme ça, on va essayer de traiter tous les budgets au fur et à mesure des semaines. Déjà, première chose très importante, c'est une série un petit peu communautaire, donc dites-moi en commentaire quel budget vous avez pour un PC pour les prochaines vidéos. Tant qu'on y est, pensez à vous abonner, laissez un gros pouce bleu pour cette vidéo, merci à tous ceux qui le feront. De mon côté, je vais tout vous présenter dès maintenant je vous mets tous les liens en description et les amis je pense qu'il n'y a pas trop besoin d'en dire plus pour l'introduction à ah, 6 vidéos tuto en description pour des montages pc mais aussi des installations de windows comme ça ce sera vraiment du clé en main allez on passe directement à la configuration avec pour commencer le processeur et ici on est sur du Ryzen donc du AMD Ryzen Ryzen 5 5600 c'est un 6 cœur 12 threads et celui-ci je l'ai déjà testé maintes et maintes fois vraiment pour du gaming c'est un super bon produit il vaut 150 euros actuellement il est équipé de pce 4.0 donc ça c'est top. Il a un encodeur qui restera aussi correct. Donc dans l'ensemble pour du gaming il sera vraiment très bon. Pour du stream occasionnel pourquoi pas. Pour du montage vidéo occasionnel pourquoi pas. Pour du Photoshop tous les jours il n'y a pas de souci. Par contre si vous comptez faire des montages vidéo plus fréquemment, du stream plus fréquemment, je vous conseillerais de rajouter 50 euros. Donc là on dépassera le budget. Pour partir sur un Ryzen 7 5700X parce qu'on passera sur un 8 coeurs ça serait. Mais ici comme ce n'est pas le budget, on va se focus principalement sur le 5600. Si vous voulez du Intel ça sera hors budget donc je vais pas trop en parler mais les équivalent voire même un très bon processeur ce sera le i5 12400f il est vendu à 168 euros mais celui-ci je le mets de côté simplement parce que le processeur va coûter plus cher et la carte mère va elle aussi coûter plus cher donc je vois pas trop l'intérêt donc ici pour un budget de 800 euros je vous conseillerais vraiment de partir chez amd pour la base du processeur ensuite on a suffisamment de budget pour se prendre un bon ventirad donc là on peut partir sur le deepcool ak400 il y en a beaucoup d'autres qui existent mais celui-ci est particulièrement bon il est vendu à 38 euros et franchement pour refroidir le pc comme il faut sans être trop gros non plus il fera clairement le travail et aussi si vous voulez vous faire un petit kiff le DeepCool Ak400 vient de sortir avec un écran digital sur le dessus avec la température qui est écrite c'est gadget mais je trouve ça plutôt cool il va coûter 50 euros c'est un petit peu trop cher pour le, la config du jour mais je voulais quand même vous le présenter parce que j'avais pas vu c'est tout nouveau ensuite au niveau de la carte mère je vais vous laisser deux choix soit vous prenez une micro ATX donc comme celle-ci la B550M Aorus Elite qui est un super bon prix donc là on est à 105 euros frais de port inclus donc plutôt intéressant bien évidemment ici c'est du DDR4 et donc si vous voulez vous faire un petit PC pas trop grand donc micro ATX, et eh bien cette carte mère-ci sera parfaite. Si vous voulez vous faire un PC format ATX, donc un PC un peu plus grand, aussi un PC qui va un petit peu mieux respirer forcément, eh bien vous pouvez partir sur celle-ci, la MSI B550-A PRO, qui est à un prix qui défie vraiment toute concurrence. On est à 104 euros. On est sur Amazon allemand ici, c'est le seul produit Amazon allemand de cette vidéo. Donc le prix est très bon, la livraison est rapide. La seule chose à prendre en compte, c'est qu'il y aura 6 euros de frais de port. Sinon, bah les garanties c'est européen. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Au moins, ça nous permet d'avoir une carte mère ATX vraiment un super bon prix. En France, on est à peu près à 125 euros pour la moins chère. Et là même, on est plutôt autour des 130 euros. Ensuite, au niveau des barrettes de RAM, là, peu importe la carte mère, ça va rester pareil. On est sur des Lexar ici. C'est des 3200 MHz en casse 16. C'est écrit juste ici. Donc, ce sera très bien. Des petites barrettes de RAM pas trop chères. XMP Intel comme AMD vendues à 38 euros. Donc, les Corsair sont remontés à 45 euros. Alors, ici, on se permet de prendre ce modèle-ci pour économiser un petit peu. Ensuite, les SSD. Alors, SSD, c'est un petit peu remonté. On est sur un Crucial P3 1TB. Des vitesses correctes. Pas du tout les plus rapides, mais ça fera le travail. Le format c'est du M.2, on est sur un NVMe, et ici il est vendu 47 euros. Y a pas si longtemps que ça on les avait vers 40 euros. Bon, 7 euros c'est pas non plus la mer à boire. Dans l'ensemble ça fera le travail et au moins vous serez tranquille avec 1 Tera. Et si jamais vous vous sentez limité au bout d'un moment, vous pouvez toujours en racheter un pour passer à 2 terrains Parce que peu importe la petite ou la grande carte mère, vous aurez deux emplacements pour le SSD. Ensuite la carte graphique. Alors ici grand débat AMD, Nvidia. Et bien ici pour 800 euros ce que je vous conseille le plus c'est vraiment sans hésiter. C'est celle-ci. On est sur un modèle Sapphire Pulse et c'est plus précisément la 7600. Donc ne pas confondre avec la 6700 parce que c'est vrai que ça se ressemble un petit peu. Non, c'est bien une 7000 et du coup c'est les nouvelles générations de cartes graphiques AMD. C'est la petite dernière, hein. c'est la toute petite, mais franchement bah, je l'ai déjà testée. Elle fait le travail. On a 8 Go de VRAM. Alors ici on a 8 Go de VRAM pour une entrée de gamme ça fait le travail. J'ai en tête la 6700 du coup qui est à 10 Go, mais la 6700 actuellement elle tourne plutôt autour des 320 euros donc moins intéressant. Ici on est à 287 euros. Pro, frais de port inclus, c'est vraiment très bien. Surtout pour un modèle Sapphire Pulse hein, qui fait vraiment le travail. Donc, euh, celle-ci, de toute façon, je l'ai testé ce modèle-ci. Et je vous mets tout simplement une vidéo benchmark en description. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au niveau du gameplay, bah, vous allez pouvoir faire tourner tous les jeux en 1080p. Donc, du Full HD avec les graphismes en Ultra. Ce sera très bien. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elle est qu équipée de l'encodeur Heavy 1 Donc, pour des rendus accélérés sur Premiere Pro, c'est aussi top. Le seul petit défaut, c'est que pour faire des live streams sur Twitch par exemple, et eh bien là, Heavy One, c'est pas pris en charge. Donc, on se retrouve avec l'encodeur de base. Et ça, c'est pas le meilleur. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai proposé un Ryzen 7 niveau du processeur. Pour prendre en charge la partie encodeur. Parce que c'est vrai qu'ils font ça très bien à partir des Ryzen 5000. Maintenant, si vous voulez absolument du Nvidia, et eh bien vous pouvez partir sur celle-ci, la RTX 4060. Pendant un moment, je vous ai plutôt mis en avant la 3060 DI par rapport à la 4060. Mais en ce moment, si on compare les prix, bah, la 4060 est quand même plus intéressante. Alors pour moi, à 329 euros, elle est quand même trop chère. Parce que vraiment, c'est la concurrente de la 7600. Mais voilà, si vous voulez des performances à peu près égales, bah, vous prenez celle-ci pour être chez Nvidia l'avantage que vous aurez en étant chez Nvidia c'est le DLSS 3.0 le ray tracing pour ceux qui veulent s'en servir donc ça ça concerne pas forcément tout le monde mais par contre ce qui va vraiment pouvoir vous servir bah, c'est l'encodeur parce que vous avez AV1 donc ça c'est comment en deux cartes graphiques par contre vous avez aussi NVENC et donc ça pour faire des lives sur Twitch et sur d'autres plateformes qui ne prennent pas en charge AV1 donc Nvidia moi je vous le conseille vraiment pour du multitâche donc ça sera ici pour jouer mais aussi pour travailler et pour du gaming uniquement du gaming pourrait dur, prenez vraiment du AMD vous en aurez beaucoup plus pour votre Argent. A noter que, avec la carte graphique Nvidia, on sera un petit peu hors budget, mais ça, je vous en reparlerai un peu après. Ensuite, au niveau du boîtier, alors là, on aura deux choix. Vous aurez le boîtier format micro ATX pour aller avec cette carte mère. Donc là, ce sera le Xiagmatech. Et vous aurez aussi le boîtier format ATX pour aller avec cette carte mère-ci. Et là, on sera sur du MSI. Alors, pour commencer, micro ATX Xiagmatech. On est sur un boîtier à 55 euros. Le prix se maintient, c'est très bien. Puisque généralement, quand je parle d'un boîtier en vidéo, les prix augmentent le lendemain. Et ça, ça c'est vraiment frustrant. Ici, j'en ai déjà Parlé, il est resté là, donc tant mieux. Donc, ce boîtier, on a trois ventilateurs mèches en façade et un ventilateur à l'arrière. C'est en boîtier, on a du plastique, de l'aluminium et du verre trempé, donc c'est très bien. Alors, quatre ventilos pour 55 euros, c'est imbattable. Franchement, niveau prix c'est très très fort. Et là, si vous voulez un petit boîtier assez compact, et bah celui-ci, vraiment, il fera le travail. Maintenant, faites attention parce que si vous prenez cette carte merci, vous ne pouvez pas prendre ce boîtier-ci, ça ne passe pas. Donc à ce moment-là, vous devez prendre ce boîtier-ci. Alors, ici, à la base, j'étais parti sur le 100M, mais là je veux mais là, je vous mets la nouvelle version. Donc, ici, on est sur le le MSI MacForge 112R. Attention, c'est écrit 100M, mais c'est bien le 112R. Il est vendu à 72 euros, donc un poil trop cher, je dirais, mais ça va encore. 72 euros frais de port inclus. On a toute la façade qui est mèche, donc ça c'est génial. Trois ventilos en façade, un ventilo à l'arrière, donc vraiment ça se ressemble. Dans l'ensemble, si vous me demandez lequel est le meilleur, le MSI sera meilleur. Mais le Xagmatex en sort aussi très bien. L'avantage du MSI, c'est que forcément il est plus grand, donc la carte graphique sera positionnée un peu plus haute dans le boîtier, donc forcément, pour la chauffe, le flux d'air, etc., ça sera meilleur. Donc si vous voulez mon Conseil, prenez plutôt du format ATX avec ces deux produits-là. Après, vous pouvez tout aussi bien prendre la carte mère format micro ATX avec le boîtier ATX. C'est juste que vous avez un espace sur le dessous et ce sera un peu moins joli. C'est simplement une question d'esthétique parce que pour le reste, ce sera exactement la même chose. Après, dans tous les cas, tous les produits que je vous recommande aujourd'hui, moi, c'est testé et approuvé pour la plupart. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me permets de vous les mettre en avant. Maintenant, pour ce qui est de l'alimentation, ça, ça va être commun à tout. Donc, on est sur une 650 watts de chez MSI. Elle est vendue à 67 67€, donc le prix est un petit peu monté malheureusement. Mais bon, ça reste un prix assez correct pour une alimentation comme celle-ci. Elle est non modulaire certifiée 80 plus bronze donc euh, voilà ça fera le travail, il n'y a aucun souci pour la config euh, d'aujourd'hui, il n'y a aucun problème de compatibilité. Donc voici pour euh, la fin de la config, maintenant vous connaissez tout. Bon maintenant pour parler un petit peu des prix parce que oui je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Et eh bien si on prend cette config-ci donc le processeur, la petite carte mère format micro et non pas celle-ci. Si on prend ces barres-ci, ce SSD-là, cette carte-ci et non pas la Nvidia. Si on prend le petit boîtier format micro plus l'alimentation MSI, on arrive à un but total de 788 euros pour le PC complet. Maintenant si on décide de se prendre un PC un petit peu plus évolué, donc j'entends par là le watch MSI qui sera un peu plus grand, la carte mère format ATX aussi, et toujours en restant sur la carte graphique de chez AMD, on arrivera à un budget total de 811 euros pour ce PC. Ça restera totalement dans le budget et c'est celui-ci que je prendrai personnellement si je devais faire l'achat aujourd'hui. Maintenant si vous voulez faire l'acquisition d'une carte graphique de chez Nvidia, donc ici de la 4060, il y aura 42 zéros d'écart entre la 4060 et la 7060. Donc, on rajoute 42 euros à 811 euros et on arrivera à un prix total de 853 euros si on se prend le PC le plus cher possible dans tout ce que j'ai pu présenter aujourd'hui. Conclusion dans l'ensemble, niveau du prix, c'est totalement respecté pour le budget du jour et surtout, je suis très content de ce que je vous ai fait parce que pour ce budget là, je trouve qu'on est sur un excellent PC. Petite précision pour ce qui est de la 4060 ou de la 7600, mais encore aussi d'une carte graphique que je présenterai juste après dans le PC déjà monté, et eh bien je les ai toutes les trois testées en vidéo. Je vous mets toutes les performances. En description, donc c'est des vidéos dans laquelle j'ai testé plein de jeux. Allez, maintenant que tout c'est dit, on passe directement au PC déjà monté. Donc ça c'est pour ceux qui veulent pas faire l'effort du montage, pour ceux qui ne savent pas faire, pour ceux qui ont peur de le faire. Et eh bien c'est pas un souci parce qu'on peut aller chez Memory PC. Donc là, on se rend directement sur le site. Vous voyez qu'on est sur une base à 669 euros. Comme d'habitude, très important, je vous mets le lien du PC. Vous allez cliquer dessus et vous allez arriver sur celui-ci. On est sur un budget de 800-850 euros, donc forcément on va faire des modifs et vous devez faire les mêmes que moi. Donc première modification, c'est le boîtier. Ici, on va partir du. Directement sur celui-ci. Donc, on est sur le SQ Power 06 TRGB. Vous le connaissez, j'en parle souvent. Trois ventilos à l'avant, un ventilo derrière. Dans l'ensemble, il fera largement le travail et on est sur du format ATX. Ensuite, le processeur. Là, on part sur le Ryzen 5 5600. Donc, euh, c'est donc exactement le même que dans le PC à monter soi-même. Maintenant, on continue tranquillement. Le refroidissement. Alors, là, un petit peu compliqué parce que c'est une petite concession qu'on va devoir faire. Histoire d'avoir quelque chose qui fera le travail, on va partir sur celui-ci. Le SQ Couleur 120 watts. Donc, euh, 120 watts, euh, ce sera largement suffisant pour refroidir notre processeur. Le seul problème des 3 SQ, enfin même des 4 maintenant qui sont présents ici, c'est que c'est un petit peu bruyant. Ça éventuellement, vous pouvez le changer par la suite. Et si vous voulez assurer le coup, prendre quelque chose d'un petit peu moins bruyant même si c'est pas du tout le top, vous pouvez prendre un Purox Lim 2 qui restera pas trop cher. Ensuite au niveau des cartes mères, là on peut partir sur celle-ci, la B550+. Plus, Donc c'est du Asus. Vous pouvez partir chez Gigabyte avec celle-ci, la B550 Gaming X. Et vous pouvez aussi partir chez MSI avec la B550-A Pro. Donc euh, là, celle-ci, il y aura 1€ D'écart avec les autres, c'est exactement celle que je vous ai présentée tout à l'heure. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de partir sur la B550 Plus de chez Asus. Si elle est plus dispo ou un petit peu trop chère, la B550 ira approcher MSI. Et si pour les mêmes raisons, elle est plus dispo ou trop chère, vous prenez la Gaming X de chez Gigabyte. Ensuite, au niveau de la mémoire, donc là on a 16 Go de RAM. Là, on va quand même se permettre une évolution, tout simplement parce que les RAM ici c'est des 3200 MHz, mais il n'y a pas de dissipateur thermique, donc pour la chauffe, c'est moins bien. Et souvent, c'est des cases 22, donc vous allez un petit peu perdre en performance. C'est pourquoi je vous conseille de Rajouter 10 euros et 10 euros, vous avez des 3200 mégas 16 de chez Corsair. C'est des modèles vengeance non RGB. Donc, ça, vraiment, c'est une amélioration que je vous conseille de faire. Maintenant, les amis, au niveau des cartes graphiques, j'ai un vrai conseil à vous donner. Alors, de base, on est sur celle-ci, la GeForce RTX 3060, 12 gigas dédiés. On va l'oublier, c'est beaucoup moins performant que ce que j'ai présenté tout à l'heure. Par contre, il y a d'autres choses. Alors, déjà, si vous voulez du NVIDIA, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, du stream ou du montage vidéo, éventuellement. Après, attention, hein, 800 euros, c'est pas non plus le top PC pour stream. Vous pouvez en faire occasionnellement, mais à éviter tous les jours, si vous comptez en faire votre Métier un jour, eh bien je vous conseille d'investir un petit peu plus. Maintenant, si ça reste du occasionnel, vous pouvez vous intéresser à une 4060. Attention, ne surtout pas prendre celle-ci à un seul ventilateur. Prenez au minimum celle-ci de chez Gigabyte et plus vous montez en budget dans les 4000, mieux ce sera. Maintenant, chez AMD, alors tout à l'heure je vous ai parlé de celle-ci, la RX 6700. Enfin, je confonds encore la RX 7600. J'ai vraiment du mal. Alors ici, si on la prend, on va économiser 5 euros par rapport à la 4060. C'est bien, mais j'ai mieux. Tout simplement parce qu'ici, regardez, vous avez une 6700, 10 Go dédiés avec 33 euros de moins qu'une 3060. C'est super intéressant, tout simplement parce que niveau des performances en jeu, une 6700 et une 7600 seront à peu près équivalentes. Ce sera vraiment pas loin. Et là, bah, on, ça nous permet de faire une belle économie. Donc là, sans hésiter pour du AMD, pour du gaming, vous prenez la 6700. Si vous comptez faire un peu plus de multitâche, vous allez chez Nvidia, mais vraiment, c'est pas intéressant. Parce que là, pour le coup, 33 euros de moins, c'est super intéressant. Alors maintenant, maintenant qu'on a la carte graphique, on peut continuer et finir tranquillement. Le SSD, on descend tranquillement. On va sur du MSI, 14 euros de plus. On a un Tera de SSD. Parce que si on regarde ici, pour avoir du Western Digital, c'est 10 euros plus cher que le MSI. Pareil pour le Kingston. Donc le MSI sera suffisant. Vraiment, en plus, c'est des bonnes vitesses, donc on peut y aller. Donc voilà, au moins on a 1 Tera de SSD. Le SSD ou le disque dur supplémentaire, on ne le prend pas. Et pour finir, le bloc d'alimentation prend quelque chose d'assez correct pour finir la configuration. Donc ici, une Big Wyatt System Power 10 en 650 watts. C'est clairement l'équivalent de celle-ci chez MSI. C'est même un petit peu mieux. Donc là, vous serez vraiment sur une très bonne alimentation et ça ne nous permettra de finir la configuration. Configuration qui est juste ici, donc le SQ Power 06T RGB, la Asus Prime B 550 Plus, vous avez 16 Go de RAM, 3200 C16, la 6700 à super bon prix, ça c'est vraiment bien. Dites-vous si on l'achète en montant le PC nous-mêmes, bah elle nous reviendra plus cher que la 7600, mais là elle nous revient à peu près 30 euros moins cher, donc c'est génial. 1TB de SSD de chez c'est pareil, hein, ça vaut plus cher de l'acheter nous-mêmes que de l'acheter sur ce site là, donc allez-y. Et la Bitcoin System Power 10 650W, prix total 820 euros A ce prix là faudra ajouter des 10 euros de frais de port uniquement. Donc 830 euros pour le PC déjà monté, c'est super bien placé. Vous connaissez Memory PC, ils sont vraiment bons là-dedans. Donc voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour. J'espère vraiment vous avoir aidé. Dans la description, vous aurez toutes les configs, toutes les alternatives que j'ai présentées. Vous aurez les performances de la 7600, de la 6700, de la 4060. Au moins vous aurez tout. Ce qui est bien, c'est que c'est moi qui ai testé les trois quarts graphiques, donc vous aurez vraiment ce que j'ai eu en résultat. Et souvent je les ai testés avec un 5600 comme processeur, donc ce sera parfait. Donc les amis, je vous mets tout en description. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de me donner votre budget pour la config de la semaine prochaine dans les commentaires. C'était dans. à très bientôt. Salut tout le monde.